Je peux pas en parler, ça me donne les larmes aux yeux et voilà. Voilà. Comprendre votre émotion à tous, mais si on parle vraiment que du résultat, que de la performance de lundi, donc elle était vraiment très très longue parce que tu fais une dernière boucle à quasiment 21 moyenne, donc ça c'est super. Quoi. Ouais, ouais, la jument elle était très très bien, elle m'a tout donné. Elle n'a pas faibli, elle était bien. Dommage que j'étais seul, j'aurais été avec un groupe ou quelqu'un qui avançait un peu devant, peut-être j'aurais mieux fait, mais bon. C'est déjà très très bien, je suis très content d'elle pour sa première 160, c'est au top. Et là, donc, quand tu as rattrapé le cabinet aux manettes, tu as réussi donc à repartir facilement. Elle s'est relancée toute seule, le cabinet aux manettes est resté un petit peu derrière, donc il n'y a pas eu de problème pour la relancer. Non, non, c'est une jument qui a quand même une forme mentale et elle a besoin de personne. Elle a avancé toujours les oreilles en avant et elle m'a respecté aujourd'hui. Très bien, tu avais d'excellents chevaux, parce qu'elle faisait partie de l'équipe de France des jeunes. C'est vrai de revenir à haut niveau, c'est quand même très, très intéressant quoi, de revenir à haut niveau. Ouais, ouais, c'est bien. Ouais, j'ai mis un peu de temps parce que, bon, après la mort de mon cheval, ben, je suis resté 5 ans sans monter à cheval. Je pense qu'il est mort dans mes bras et je pouvais pas remonter. Et voilà, là aujourd'hui, elle me rend autre chose et j'ai retrouvé le goût, le métier. Et j'espère que ça va continuer, on ira bien. Il n'y a pas de problème, c'est quand même une vraie passion. Ouais. Ouais, ouais, ça fait depuis l'âge de 8 ans, j'ai 31 ans et voilà, je me régale. Merci Christophe Noguera, Native de Cambou.